Salut. Bienvenue aujourd'hui pour faire un petit peu de peinture suédoise sur mon grand volet à persienne, tout nouveau, tout beau. Une super technique, facile à faire, vous allez voir. Alors je suis allé fouiller sur internet pour essayer de trouver une recette et j'ai trouvé la première qui me paraissait correcte. Il faut de l'eau, de la farine, de l'huile de lin, du savon noir, des sulfates de fer et des pigments. C'est pas plus compliqué que ça, et ce qui coûte cher là-dedans, c'est les pigments. Sulfate de fer, ça coûte rien, ça coûte 1 euro le kilo et on en a besoin de 100 grammes. La farine, ça coûte rien. L'huile de lin, ça coûte pas grand-chose. Le savon noir, il y en a besoin de très très peu. Allez, j'ai mis les pigments et maintenant un peu de sulfate de fer. C'est pour fixer la couleur. Allez, c'est parti pour un peu de peinture. Il paraît que ça marche au pistolet. J'espère que les grumeaux vont rester coincés. Thank you.
Nickel. Et voilà, ça sert d'être conservateur. J'ai mes vieilles roulettes. Elles roulent impeccable. Mais il faut, je vais les dérouiller un peu. Et puis mettre un petit coup de, une petite clichette de peinture. Voilà, c'est malin, il n'y a plus de soleil maintenant. C'est malin d'avoir fait tout ça pour rien du tout. Enfin bon, tout à l'heure, il y en avait quand même un peu. Il est 9h du matin et c'était en train d'être estompé par les persiennes. J'avais fait un gabarit pour essayer de trouver les angles et les longueurs. Et il faut faire un gabarit parce que sinon vous n'en sortirez pas, suivant l'orientation de votre maison et tout ça. Là, j'ai fait un gabarit, donc je pouvais faire varier un peu l'angle des persiennes pour essayer de trouver le bon compromis entre le jour et la nuit, quoi. Et alors, ça marche bien. Tout à l'heure, de toute façon, même s'il y a un peu de soleil qui revient, il sera bloqué. Ça s'ouvre et ça se ferme facilement, malgré les anciennes coulisses qui doivent avoir largement plus de 50 ans. C'est vraiment bien. Je suis vraiment content. Et pour la peinture à la farine, je suis vraiment content aussi. C'était très simple à mettre en place, très efficace, et ça coûtait absolument rien. Là, pour faire tout ça, j'en ai eu pour une douzaine d'euros au grand maximum. C'est le prix du pigment, en gros. Je n'ai pas encore reçu la facture, mais ça doit être à peu près ça. 10-12 euros. J'ai encore quelques retouches à faire sur les emplacements des étés et tout ça, où il y avait l'échelle pour te soutenir le machin lors de la peinture. Donc j'en ai gardé un petit peu, je vais passer ça au pinceau et ça sera fini. Et vraiment, je suis content. Oh, c'était un petit peu de boulot, mais ça vaut vraiment le coup. C'est pas vilain et ça a l'air de marcher. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de soleil qui voudrait venir pour finir ma démonstration? Non, ça n'a pas l'air de vouloir venir. Je suis désolé, mais croyez-moi, ça marche. C'est chouette, quoi. Alors, pour les nouveaux à la chaîne, vous pouvez bien sûr vous abonner. Il y aura plein de projets, principalement de menuiserie. Et pour les autres, merci de votre attention et de votre fidélité. Et à bientôt. Ciao !